Marie, tu es secrétaire générale d'On Move, avec qui le réseau Art en résidence collabore depuis deux ans dans le but d'impulser une dimension internationale à ses activités dans le cadre notamment du programme Paris, programme d'accompagnement et de réflexion sur l'international soutenu par le ministère de la Culture et l'Institut français. L'objectif était d'impulser une rencontre avec différentes plateformes d'information des réseaux nationaux et internationaux. Lors de ces échanges, nous avons très vite comparé nos modes de fonctionnement, décidé de partager des constats, comparer nos pratiques, nos valeurs, nos fonctionnements. Est-ce que tu peux revenir sur ce comparatif de modes d'organisation et nous dire ce que révèlent pour toi les différences qu'on peut y observer euh, je dirais que, déjà, sur ces échelons, euh, comme tu le disais, il y a des réseaux qui ont plutôt une dimension nationale, comme à Taïwan, aux États-Unis, en Italie et bien sûr en France, et des réseaux et une plateforme d'information euh, euh, qui ont plus une dimension internationale. Mais au final, on se rend compte aussi que ces, ces dimensions sont un peu plus poreuses, qu'il y a plus de fluidité entre les deux. Euh, si on prend euh, par exemple des réseaux nationaux, bah, comme Art en résidence, vous avez aussi un certain nombre de résidences sur le territoire français qui travaillent aussi en collaboration avec des lieux de résidence en Europe et à l'international. Euh, au niveau de la plateforme euh, AIR Network en Italie, ils ont 140 membres, il y a aussi 40 membres qui ne sont pas localisés euh, en Italie. Uh, Alliance of Artists Communities uh, aux États-Unis c'est la même chose c'est vrai que c'est ils sont surtout focalisés sur les États-Unis ils ont 400 membres on se rend compte aussi qu'il y a des, des, des thématiques un peu transversales qui peuvent aussi avoir une dimension tant euh, locale qu'internationale euh, sur les questions euh, par exemple d'artistes qui travaillent sur les changements climatiques sur les questions de migration par exemple ou d'engagement sociétal et ça on peut autant le retrouver à un niveau national qu'international donc quand je dis international là c'est dans le, le réseau de lieux de résidence qu'est ResArtiste et la plateforme d'information de lieux de résidence qu'est TransArtiste. Donc on voit un peu cette porosité qui est intéressante. Puis après, dans les éléments de, de comparaison, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir une typologie de ces organisations. Donc on a soit, je dirais qu'on en a trois, alors après, pareil, hein, il peut y avoir une certaine fluidité entre ces trois catégories. On a vraiment des réseaux et des plateformes qui sont soutenues directement par des fonds publics. Par exemple, la plateforme transartiste qui a sur son site Internet plus de 1500 résidences dans le monde euh, référencées. Elle, elle est directement, je dirais, accueillie, cette plateforme, dans les murs de Dutch Culture, qui est un peu l'équivalent de, de l'Institut français pour la France, donc Dutch Culture pour les Pays-Bas, et qui est financée par le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture, des Sciences et de l'éducation. On a aussi TASA, la Taiwan Art Space Alliance, qui, elle, est directement financée par le ministère de la Culture taïwanais et la Fondation Nationale des Arts et la Culture. Et donc, cette plateforme a été créée en 2016. Et c'est vrai que ces financements publics permettent aussi que notamment ces deux plateformes voilà, et aussi deux personnes employées à temps complet pour travailler pour ces réseaux. Alors, c'est jamais assez, mais c'est déjà beaucoup. Euh, ensuite, on a plutôt des, des, des réseaux et des euh, alliances, comme il est dit aux États-Unis, qui sont plus financés par des fonds privés, donc qui développent des partenariats avec des fondations privées, comme c'est le cas notamment aux États-Unis. Et ces financements permettent ensuite de développer des projets de résidence. Pour les organisations membres notamment de la Alliance of Artists Community, et c'est un peu comme ça aussi que la plateforme italienne a commencé avec un, euh, un financement privé de la fondation euh, Cariplo il y a déjà quelques années. Et enfin on a des réseaux comme art en résidence comme Res Artis, qui sont plus financés par les membres et aussi par des projets qu'ils peuvent développer. Donc, par exemple, pour vous, avec art en résidence, le projet le plus récent, c'est bien sûr ce projet reflecting residency. ça peut être mmh. aussi des projets de, de formation à destination de collectivités territoriales. donc on a aussi ce, ce modèle, alors qui est peut-être un peu plus aussi fragile quand il n'y a pas aussi assez de fonds publics, je dirais. Notamment pour soutenir, disons, une petite équipe aussi pour faire fonctionner ces réseaux. Voilà. Oui, tout à fait. Alors la crise a aussi révélé un, rôle, un autre rôle des, des réseaux. Qui est celui de collecter des informations, de pouvoir offrir un état de la situation, de faire remonter aussi ces informations parfois auprès des pouvoirs publics. Est-ce que tu veux revenir aussi sur ce rôle précieux qui est celui de voilà de, de la veille, de l'observation, de produire des ressources, mais aussi de plaidoyer et de nous dire comment la crise a aussi euh, euh, renforcé ou mis en avant ce rôle. Euh oui, tout à fait. Je dirais vraiment renforcer, parce que ça, c'est un rôle, c'est comme le, le rôle des réseaux et des plateformes comme site ressources. Et là, donc, ce rôle a été renforcé, ainsi que ce rôle de, de force de plaidoyer aussi. Et là, je prendrai euh, deux exemples. Euh, L'exemple notamment de Resartis, donc le, le réseau international de lieux de résidence. Donc, ils ont établi un partenariat avec UCL, qui est une, une université à Londres pour faire en fait, une étude sur presque une année en fait, des niveaux d'impact de la COVID sur les lieux de résidence et aussi sur les artistes. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que pour les artistes, les professionnels de la culture, tels que je sais pas, les critiques d'art, les, les curateurs et les curatrices, d'être en résidence, aussi, ça fait partie d'un projet et de, de, de la trajectoire professionnelle de ces personnes, mais c'est aussi souvent une source d'économie, enfin, c'est aussi une manière d'avoir un revenu, donc c'est vrai que tout est bloqué là. Donc, en fait, ils ont développé ce partenariat euh, qui va s'étaler en fait sur une année en trois temps. Euh, donc, avec un questionnaire qui a déjà été lancé euh, il y a quelques mois, et là, il y a déjà un premier état des lieux qui est disponible en ligne. Donc, c'est collecter des données du secteur, tant du milieu des résidences à l'international, mais aussi des artistes pour un peu. Enfin, essayer déjà d'identifier un petit peu ces impacts que ça a déjà sur les lieux et sur la carrière des artistes et des professionnels de la culture. Là, il y a une donc là on est presque début décembre, on a une seconde enquête qui est en ligne et pour un autre rapport qui sera au printemps 2021 et ensuite on en aura un plus long, plus enfin, un peu plus lointain dans l'année 2021. Alors ce qui est intéressant aussi là, c'est que des données sont collectées et, et presque pas de façon immédiate, mais on peut aussi avoir accès aux informations qui sont partagées et ça nous aide tant à un niveau de plaidoyer au niveau international, mais je dirais aussi à un niveau national. Et juste un point que je voudrais soulever dans ce rapport et fait mention par exemple du, de, de, des résidences dites virtuelles. Oui. C'est-à-dire que dans la période de la, de la Covid, euh, bon, déjà on voit qu'énormément de choses se passent en ligne souvent d'ailleurs dans le secteur artistique et culturel, ils ne sont pas forcément payés pour les artistes et les professionnels de la culture. Le modèle économique est encore souvent à créer. Et dans le monde des résidences, c'est vrai que des résidences ont proposé ces modèles, soit de, de faire une résidence à la maison, soit de soutenir le processus créatif de là où les artistes mmh. étaient, soit de proposer des formats hybrides, une partie à la maison et puis une partie vraiment de de résidences sur site en présentiel, quand notamment sur les résidences plus internationales, quand les possibilités de mobilité pouvaient être voilà plus plus fluides. Et en fait, donc il y a plus d'expérience à ce niveau-là. Et en fait, le retour par contre des artistes va à l'encontre en fait de cette proposition. Les artistes préférant être en disant nous, on préfère euh, euh, finalement éventuellement que les résidences se soient retardées, bien sûr pas annulées, mais retardées, mais on souhaite cette véritable expérience. Donc on voit aussi cette, euh, alors je dirais pas un décalage, mais c'est vrai qu'il y, y a des attentes qui sont peut-être euh, différentes. Et puis ici, une volonté des résidences aussi d'aider euh, les artistes et les professionnels de la culture aussi financièrement euh, dans leur processus. Mais c voilà, ce sont aussi des, des éléments d'interprétation euh, qui seront intéressants à voir comment ces éléments. Euh, évolue dans la seconde et la troisième étude. Après, sur ces questions de plaidoyer, la période euh, généralement agit plus telle une accélératrice de tendance plutôt que de, de création encore euh, d'un nouveau système. Et on, on, on voit aussi par exemple comment, pour la plateforme italienne, euh, qui, qui, est, qui est aussi partie de, de nos échanges, Air Network Platform, eux ils n'ont pas encore de constitution légale ce, ce, ce mmh. n'est pas encore une, une association ou une fondation et c'est vrai que cette période là leur a donné encore plus l'envie de créer une association aussi pour avoir une, une existence légale pour pouvoir mieux aussi plaider euh, la condition euh, des lieux de résidence dans le parcours professionnel des artistes et des professionnels de la culture auprès du ministère et je finirais en disant que oui ces endroits de plaidoyer mmh. Qui sont aussi portés par ces euh, aussi par ces réseaux comme comme art en résidence sont importants et pour le domaine du, 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 des résidences et évidemment pour le secteur artistique et culturel en général mais aussi euh, il faut bien garder à l'esprit que euh, si euh, soutien il a il doit aussi dans un plus ou moins long terme concerner aussi ces plateformes et ces réseaux parce qu'on voit bien que l'effet public l'effet levier de soutien public peut ensuite aider ces réseaux et ces plateformes à développer des projets et à vraiment être une source d'information et de plaidoyer pour les membres et pour le secteur en général.